Bonjour à tous, on se retrouve pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, des calendriers de l'Avent du jour 4, puisque nous sommes le 4 décembre. Donc on va commencer, alors, un petit bazar, par la case 4 du calendrier de chez Action, le calendrier bougie. Et ce matin, la bougie est une bougie à la vanille. Pour ne pas changer, c'est le quatrième jour à suivre avec une bougie à la vanille. Donc je vais l'allumer. Vous voyez, même mon briquet commence à être lassé par les bougies à la vanille. Il n'en peut plus. 4 jours d'affilée, je trouve ça un petit peu dommage. Il y a 4 senteurs dans le calendrier. Ils auraient pu nous varier un petit peu. Ensuite, le calendrier Milka. Alors, la case 4, elle est là. Ah, j'arrive pas à ouvrir, forcément. Là. Alors, c'est un bonbon rouge. Alors, les bonbons rouges, est-ce que c'est écrit dessus ce que c'est? C'est un D-A-I. C'est un bonbon d'un. Donc ça, je le pose derrière. Donc c'est un bonbon d'un. Donc je vais le mettre de côté. Ensuite, on va ouvrir en premier celui de Lola, puisqu'hier nous l'avons ouvert en dernier. Donc pareil, on enlève la ficelle. Je vous ai dit hier que je vous ferai voir le dans quoi je range une partie des calendriers de l'Avent, au moins celui de Saga Post Scrap. Le temps de l'Avent. Là. Alors, je vais couper le scotch et je récupère toujours. Alors, je sais, ça va faire beaucoup, mais le carton va me servir toute l'année où il y a les pochettes. Alors, par exemple, celle de Lola, il n'y a pas de dessin dessus, donc je peux m'en servir toute l'année en fait pour mettre dans les junk ou les albums. Alors, ce sont des stickers autocollants, forcément. Je lis la phrase en français, donc époxy, c'est-à-dire matelassé en forme de papillon. Voilà, j'ai pas lu l'indice, n'importe quoi. Alors, elle m'a mis papillon. Très classique. Et ils sont magnifiques. Donc, c'est vrai, les couleurs sont belles. Il y a des petites fleurs aussi avec. Et vous voyez, il y a différentes couleurs, mais chaque papillon n'a pas la même couleur partout. Ils sont vraiment magnifiques, Lola. Donc, je suis très contente. Ils sont parfaits. Ensuite, je vais prendre celui de Clarisse. Donc, Lola de la chaîne... ZL Création, je regarde parce qu'il y a des... J'ai eu peur. Et donc Lola de la chaîne ZL Création, de la boutique La Baleine qui embosse, et Clarisse de la chaîne Clarisse Scrapbooking. Donc, on va dire que c'est la case bois, à première vue. Hop. Alors, déjà, on a des cheveux d'ange. Hop, on dirait la brosse de ma fille quand je la coiffe le matin. C'est la même longueur de cheveux. Faut peut-être pas l'approcher trop près des bougies. Alors, nous avons tout d'abord de jolis petits Père Noël comme ceci, qui sont un peu épais. Donc, j'en ai deux. Deux Père Noël. Je vais essayer de décaler un petit peu la bougie. À chaque fois que je vous présente quelque chose, la bougie, je mets la manche dedans en fait. Donc vous allez bientôt voir la femme enflammée que je suis. Non, c'est une vidéo ouverte au moins de 18 ans. Tais-toi Claire. Donc voilà, les deux Pères Noël, on s'égare. Ensuite, nous avons deux petits cadeaux de Noël. Ils sont magnifiques aussi, regardez ça, avec une petite étoile. L'étoile est ajourée.
C'est pas juste un dessin. Donc ils sont bien en épaisseur également. Ensuite, nous avons deux flocons comme ceci. Alors de ce côté-ci, ils sont gris pailleté. Il y a du glitter gris dessus. Et de l'autre côté, ils sont couleur bois naturel. Donc voilà. Ensuite, on a deux. Il y a des cheveux d'ange. Deux ho 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 pailleté glitter or. Voilà. Nous avons les mêmes en bossé. Pareil, avec un effet glitter. Mais cette fois-ci, en, j'arrive pas à les tenir, en blanc. Qui sont superbes, impeccables. Ensuite, nous avons deux flèches. Alors, comme ceci. Et je vous fais voir le bout des flèches. Qui sont comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons une bouteille. Alors, t'en as mis qu'une. Les autres, ils sont tous par deux. T'en as mis qu'une. C'est parce que tu veux pas que je boive. Tu sais bien que ta sœur, elle boit pas jamais d'alcool. Donc, forcément, tu n'as mis qu'une bouteille. Elle est belle, hein. Donc, le bouchon est en train de sauter. Donc là, vous avez le bouchon qui est parti. Et un petit peu d'éclaboussure de champagne au bout. Et enfin, parce qu'elle sait que j'adore les montgolfières, c'est vraiment quelque chose que j'aime plus que tout. Deux belles montgolfières en bois, donc un petit peu épaisses, qui iront dans ma pochette pour mon album montgolfière, où les photos de notre balade en montgolfière pour les 45 ans de mon mari vont être scrappées. Donc ça, je vais les garder également. Je vais essayer de tous les récupérer et de ne pas les passer dans la bougie. Poser ça là pour l'instant. Ça, ce sera à répartir avec... Il y en a certainement qui ira dans le December Daily parce qu'il y a des ho ho ho, ça me plaît bien. Les petits Pères Noël, les paquets cadeaux, j'arriverai certainement à les remettre dans le December Daily. Alors, vous allez rire ou pas. Dans la case numéro 1, nous avions un magnifique tampon de chez Scrap Didi. Le tampon où il y avait écrit, je crois, « Meilleurs vœux, joyeux Noël », je crois, de mémoire. Eh bien, figurez-vous que des petites mains innocentes l'ont amené à l'école et se le sont fait voler à l'école. Donc, du coup, c'est la cascade avec un joli... Reine qui a des guirlandes de lumière dans les bois. Et donc mon tampon bois, bah bien sûr, il est perdu. Du coup, j'ai fait un message à l'équipe de Scrap Didi. Je leur ai demandé s'il en restait un comme ça et s'ils pouvaient me le vendre. Puisque je ne vais pas leur demander de me le redonner, hein, faut pas abuser non plus. Ils ne sont pas responsables du vol dont a été victime ma fille. Et donc là, nous avons un mot en carton bois adhésif. Dessus, il est marqué « Un Noël magique ». Donc voilà, le dessus est couleur légèrement bois, mais pas trop. Donc voilà, c'est bois ou papier fin. Il est vraiment superbe. Les mots chez Scrap Didi, c'est toujours fin, l'écriture, c'est toujours... Waouh, j'adore. Donc la pochette, elle va là. L'étiquette, elle va là. Et ça, bon, on va le mettre là. Ensuite, nous avons celui de Sagabo Scrap. Je ne sais pas pourquoi Sagabo Scrap tous les jours. Soit je lui mets un Z en disant Zaga, soit ce matin, c'était Chaga. Je cherche à comprendre. Donc c'est bien Sagabo Scrap avec un S, mais en son ce. Donc, on enlève les agrafes, donc l'agrafe de Saga et l'agrafe que j'avais mis pour mettre ma guirlande. Donc ce bout-là, je le garde. Là, je le jette, il est trop petit. Voilà, je jette l'agrafe et j'ouvre l'enveloppe. Alors, à l'intérieur, nous avons... Ça va dans mon panier. Nous avons un die
avec des plumes et des flèches posées sur un arche. Ah, sur un arche, sur un support. Donc, on peut le tenir comme ça, ou bien alors faire comme un effet avec un rond au-dessus, faire carrément les plumes de la trappe-rêve. Vous pouvez aussi le mettre dans le sens que vous voulez. Pardon, je l'ai fait tomber. Donc, soit vous le tenez comme ça et vous avez des plumes sur un chapeau, une coiffe d'Indien, soit vous le mettez comme ça pour la trappe-rêve. Et moi, je le trouve magnifique dans ce sens-là plutôt. Donc, voilà. Ça, c'est de taille de chez Sac à Peau Scrap. Et nous avons un petit sachet. Alors, le sachet est magnifique. Il y a des petits cœurs roses dessus. Alors, je sors les découpes. Et je vous fais voir le petit sachet. Regarde. Avec des petits cœurs roses et rose foncé. J'adore. Et c'est écrit dessus. Good fortune is fully packed. Voilà, je pense que je vous mettrai aussi en incrustation parce que je ne suis pas sûre de tout. Packed, ça veut dire emballé. Fully, ça veut dire, je pense, énormément. Et good fortune, ça veut dire de la chance. Une bonne chance. Donc, je vais y réfléchir. Nous avons des coupes. Alors, il reste des petits bouts là. Hop. Une belle cafetière. Excusez-moi, je vais faire tomber la cafetière. Donc, une magnifique cafetière. Elle est vraiment très bien dessiné, le cafetière autrefois, vous savez, où il y avait en fait la partie percolateur où le café descendait en dessous. Donc voilà. Ensuite, vous avez. Elle est vraiment très fragile, celle-ci, par contre. Donc vous avez la tasse à café avec tout un tas de fioritures dessus, la candicane, le ouf, les chamallows. Et au milieu, vous avez un cœur, mais le cœur est entièrement découpé, donc vous pouvez le démonter et le récupérer par la suite. Là, vous avez, voilà, la tasse. Au final, elle est comme ça. Et là, vous voyez, c'est très finement découpé au niveau de là. Ce qui fait que c'est très sensible. Voilà, le cœur se démonte, mais moi, je vais le laisser pour ne pas le perdre. Voilà. Et ensuite, nous avons celui qui est dans la tasse, mais cette fois-ci en plus gros. Donc, le candy cane avec le haut dessus. Hop, dans l'autre sens. Il est magnifique, hein. Franchement, je ne suis absolument pas déçue de mes calendriers, que ce soit Sac à Peau Scrap ou Scrap Didi. Et bien sûr, j'adore, je raffole les calendriers de Clarisse et de Lola. Donc voilà, aujourd'hui, hop, la bougie, hop. Donc je vous mettrai juste après la vidéo de ce que j'ai envoyé aux filles. Et avant, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Il y a des personnes qui sont régulièrement à regarder mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnées. Donc si vous vous abonnez, vous pouvez activer la cloche de notification et être prévenu des prochaines vidéos. Ce qui vous rend un grand service si vous voulez ne pas en louper. Et moi, ça me fait plaisir parce que je vois que le nombre de personnes qui me suivent régulièrement. Voilà, c'est un échange de bons procédés, on va dire. Vous pouvez me laisser un commentaire en dessous et me mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé la vidéo. Voilà, je vous laisse avec la vidéo des choses que j'ai envoyées aux filles. Merci, au revoir. Pour la case numéro 4 du calendrier de l'Avent de Clarisse et de Lola, je leur ai mis des fleurs faites maison. Que nous avions un thème fleurs, donc ce sont des bandes de, enfin des ronds de papier qui sont découpés et qui sont roulés ensuite les uns sur les autres. Donc, ce sont des bases de livres.
sur lequel j'ai fait de l'embossage à chaud. Voilà pour les trois premières. Ensuite, je leur ai fait ensuite quatre fleurs comme ceci. On ne voit pas trop avec le reflet, donc là vous avez le dessous. Est-ce que je vais pouvoir plutôt vous les sortir? Donc, il y en a quatre. Voilà, on va mieux voir. Comme ceci, ceci et comme ceci. Et ensuite, il y en a une petite dizaine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, oui, c'est ça, 12. 12 petites comme ceci. Donc, je vais les remettre dans le sachet. C'est bon. Comme ceci. Et voilà. Avec celle-ci. Dans la case numéro 4. Je vous remercie. Au revoir.